Alors là, comme à l'étage, il y a une cloison autour du conduit de cheminée. Et il y avait des trous et du coup, ça a servi de lieu de dodo pour des petites bêtes. Donc j'ai bien le colmaté, tout ça, pour pas que ça arrive. Je vais remaçonner les briques et bien remplir pour éviter qu'elles viennent dormir là. Le plafond est vraiment pas très lourd. Quand je visse l'étai, ça le soulève. Je le soulève juste un petit peu parce que, en fait, ici, là, on voit bien, mais la poutre est soutenue par vraiment pas grand chose. J'avais pas envie que ça se casse la gueule. Donc, je vais remaçonner avec une pierre qui la reprendra beaucoup plus. Comme ça, je serai plus tranquille. Voilà. Donc au moins je sécurise le tout là. Et voilà. Après on va enlever les deux petites pierres qui soutenaient la poutre. On voit que j'ai bien fait de mettre l'étai parce que ça ne repose plus sur rien. Donc ah bon, après avec la compression ça pouvait pas bouger. Mais si cette pierre venait à se déchausser, c'était un peu la merde. Donc je vais bien remaçonner avec beaucoup de soutien en dessous et une belle pierre croisée qui reprendra le maximum de charge possible. Comme ça je serai tranquille. Bon, j'ai trouvé la pierre à peu près parfaite pour soutenir la poutre, mais il y a ce petit espace là qui me gêne. Donc je vais essayer de le casser avec le marteau pas adapté pour que ça puisse bien rentrer comme il faut. Ah, j'ai fait mon montage à blanc, donc là, et c'est pour ça que les maisons anciennes tiennent bien, toutes les pierres reposent les unes contre les autres. C'est pas le mortier qui vient un peu comme on met du ciment entre des parpaings. Là, c'est pas du tout le cas. Les pierres, bon, sauf celle-là. Les pierres tiennent bien en compression les unes contre les autres. Le mortier sert juste un peu à stabiliser. Et donc même si le mortier s'en va, un peu comme quand je gratte ici, toutes les pierres se tiennent bien. Bon, celle-là c'est juste au cas où, mais là je les ai un peu rentrées en force. Et je vais les remonter avec du mortier pour que ça colmate tout. Mais tout tiendra bien en compression.
Et au moins, je suis sûr que même si le mortier s'effrite, eh ben, ça tiendra toujours très bien. Voilà.